Le lendemain, Matra Racing Saint-Etienne, la première victoire du Matra depuis le 28 février dernier. Ça fait quand même un bon bout de temps et après un quart d'heure de jeu, le premier but est marqué par Francesco Li à la suite d'un centre de Crimo. On se retrouve 14 minutes plus tard, Fernier dans le coup, toujours pour Francesco Li devant le Suisse Gégère, deux fans de corps. Et le tour est joué, 2-0 ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, échappé de Siloy et c'est Françoise qui détourne ce ballon de la main. Pénalty indiscutable, indiscuté d'ailleurs, et but de Fernier, 3-0. Les Verts se réveilleront un peu tard. En toute fin de partie, à la 83e minute, eh bien c'est Aon qui réduit la marque. Bon résultat donc des clubs.